Et commandant Mabassa, nous sommes là dans la province de l'Ituri. Et puis la nuisance sonore demeure un sérieux problème à Kinshasa et les autorités ne cessent de multiplier des stratégies pour faire respecter la loi. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7 heures sur la RTNC. Le président de la République a reçu hier dans la soirée une délégation de leaders politiques de la Grande Orientale et leurs échanges ont porté sur la prise en charge de la candidature du président de la République aux prochaines élections. Reportage Fanny Kikou. Il n'est qu'un échantillon des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale conduit par le coordonnateur du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, CPVS, la délégation est venue échanger avec le chef de l'État sur les modalités autour d'une rencontre élargie dans le tout prochain jour avec tous les leaders politiques et communautaires qui composent la Grande Orientale. L'opinion se rappelle, il y a peu, il y a eu une grande messe, comme on dit, à Béatrice, pour laquelle le Grand Orientale, avec ses chefs coutumiers, société civile, notabilités politiques, ont manifesté leur détermination à pouvoir accompagner le président de la République, non seulement pour que son premier mandat ici se termine dans de bonnes conditions, mais davantage encore de lui donner la possibilité de pouvoir achever l'œuvre entamée avec un second mandat. Nous venons de voir les chefs de l'État qui a accepté l'idée que ceci ne soit qu'un prélude à une grande rencontre qui se fera ici même, à l'Union africaine, entre les chefs de l'État et une plus grande délégation du Grand Oriental. La proposition du Grand Oriental, peut-être que ça lui a été restitué, le président est bien entendu ravi de constater effectivement que dans cette partie-là de la République, qui n'est pas nécessairement ce qu'on appelle un fief du chef de l'État, il y a des compatriotes, il y a des responsables qui reconnaissent les efforts qui sont faits, notamment en ce qui concerne la recherche de la paix pérenne. 2023 étant une année électorale en République démocratique du Congo, la Grande Orientale a fait savoir au grand public le choix de son candidat. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la caution de sa candidature, sera prise en charge par la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, a fait savoir Madame Carole Aguito, membre de cette structure de soutien à la candidature du chef de l'État. Nous sommes en train de cotiser, nous continuons les cotisations puisque nous les avons déjà lancées et nous savons que le moment venu, nous allons juste demander à notre candidat, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous donner son dossier administratif et nous allons nous occuper du paiement de sa caution auprès de la CENI. Le moment n'est pas encore arrivé puisque les guichets seront ouverts à cet effet au mois de septembre, suivant le calendrier communiqué par la CENI. La cotisation est validée. La Grande Orientale est composée des provinces de la Tshopo, de l'Ituri, du Haut et de Bazouélé. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la Belgique renouvelle son souhait, celui d'un retour au calme dans les rapports entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le ministre fédéral belge des Affaires étrangères l'a dit hier au président de la République. Reportage. La Belgique réitère son appel à la désescalade concernant la tension qui règne entre Kigali et Kinshasa. Bruxelles souhaite une reprise du dialogue entre les parties concernées dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Le sujet a été évoqué lors de la rencontre du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce vendredi midi avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib. Compte tenu essentiellement de la situation à l'est de la République démocratique du Congo qui nous inquiète. Même si, il faut le dire, les tensions sont extrêmes, nous voulons absolument que soit évitée une escalade du conflit qui conduirait à une guerre ouverte. Je pense que cette région
de l'Est du pays a suffisamment souffert, plus de 25 ans de conflits, des milliers et des millions de déplacés. Et donc nous pensons aussi qu'à l'approche des élections qui sont donc fixées au 20 décembre prochain, il convient plutôt d'appeler toutes les parties à se parler et à appliquer le processus de Nairobi et de Luanda. Selon la ministre belge Adja Labib, son pays appuie également le respect des résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23. J'espère que le Rwanda et la RDC pourront s'asseoir à la même table, se parler et appliquer les accords qui ont été signés, donc cesser aussi toute stigmatisation de communautés, d'ethniques, et aussi aboutir au désarmement, à la démobilisation du M23 et de l'autre côté aussi du FDLR. Nous veillons aussi à ce que nous tenons à ce que soient respectées les frontières internationales reconnues de la RDC. La Belgique est à pied d'œuvre, elle est aux côtés de la RDC. Ce n'est pas à moi, je pense, à dire ce que doit faire la force régionale. Elle est sous commandement kényan. Je pense que c'est à la région à décider, avec les différentes forces en présence, ce que doit faire cette force, est-ce qu'elle doit être défensive, offensive. Bon, il y a une perte de crédibilité que nous avons constatée au niveau de la MONUSCO. Cette force est en transition. On est tous d'accord qu'elle ne correspond plus, après 25 ans de présence, à l'attente de la population. On observe aussi qu'il y a la même défiance aujourd'hui de la population de l'Est vis-à-vis de cette force régionale. C'est un peu aux partis à dire maintenant ce qu'ils sont prêts à faire et à comment ils vont répondre à cette volonté de paix aussi qui est nourrie en premier lieu par la population qui souffre depuis trop longtemps. La partie congolaise demande à tous ses partenaires de passer des paroles aux sanctions individuelles et collectives contre les autorités rwandaises et les terroristes du M23 ainsi que contre l'État rwandais qui bafoue le droit international. Écoutez, c'est clair, comme de l'eau claire dans un verre clair, le chef de l'État l'a dit devant le corps diplomatique. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, aucune génération des Congolais n'acceptera de céder un seul mètre carré, j'allais même dire millimètre carré, de notre territoire à un quelconque pays pour établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Ce que nous demandons à tous nos partenaires, africains, européens, à travers le monde, maintenant, c'est la sanction, les sanctions collectives et individuelles, économiques, politique, et je pense que chacun des partenaires a ses mécanismes internes et est capable de matérialiser des proclamations de points de condamnation à travers des actes de terrain. Et c'est ce que nous entendons. Dernière question pour moi. Le sommet extraordinaire de Bujumbura, convoqué par Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, qui se tiendra ce samedi 4 février en présence des chefs d'État de la sous-région, aura pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des résolutions du mini-sommet de Luanda pour une sortie de crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Après 4 jours d'intense activité passée à Kinshasa sur invitation du chef de l'État, le pape François a quitté hier avant midi la capitale pour se rendre à Juba, au Soudan du Sud, et le président de la République a accompagné son hôte de marque jusqu'au pied de l'avion. Témoin de l'événement, Blandine Nzovo, Roger Diaye et bienvenue Kabamba. 7 heures passées de quelques minutes sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, l'équipe de pilotage et toute la suite qui accompagne le pape investit les lieux prêtes pour l'embarquement. Bagages rangés, tout est déjà au point pour le départ du Saint-Père. C'est un dispositif sobre et restreint qui précède l'arrivée du pape à l'aéroport. Juste un échantillonnage requis pour accompagner dans la sérénité le départ du pape François. Vient alors le tour des officiels et autres acteurs socio-administratifs qui arrivent à tour de rôle, suivant l'ordre établi
par le protocole, l'instant est empreint de beaucoup d'émotions. Le plus heureux de tous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a gagné son pari. Installé au salon du pavillon présidentiel, le chef de l'État est venu accompagner son invité de marque et père spirituel d'une multitude de chrétiens. Arrive enfin le cortège du Saint-Père, accueilli à l'entrée du pavillon par le chef de l'État. Le temps d'un aparté de quelques minutes entre les deux personnalités dans ce cadre VIP où se trouvent également quelques officiels venus recevoir la bénédiction du prince de l'Église. Suivra alors la cérémonie d'au revoir, agrémentée par la fanfare de la garde d'honneur, heureux qui, comme le pape François, a effectué un beau voyage, pourrait-on lire visiblement du visage du Saint-Père, sur son sacré fauteuil roulant, avec à ses côtés le président de la République. Le pape, encadré par sa suite, a arpenté le tapis rouge, déroulé pour la circonstance, jusqu'à prendre place à bord de son avion de pèlerin, l'Airbus de l'ITA Airways, qui s'envole pour Djouba, capitale du Soudan du Sud. Des instants d'adieu émouvants. Rencontrer le Saint-Père, c'est le souhait de tout prêtre. Et le voir, quelqu'un de grand, si grand comme lui, mais en face, il est tellement simple que vous êtes déconcerté quand vous le rencontrez. C'est un modèle de l'autorité, un modèle de la responsabilité. C'est une bénédiction pour notre pays, et spécialement le pape, 38 ans après, c'est une très grande bénédiction. Nous sommes sûrs qu'il a entendu les cris, il a entendu les discours du président, il a lui-même suivi les témoignages. Par ses prières, nous pensons que nous allons trouver gain de cause. Nous disons un grand merci au président de la République, que le Seigneur le protège, les donne beaucoup de bénédictions, de courage, de protection surtout et de paix. Ainsi s'achève la mission apostolique de 4 jours effectuée par le pape François en République démocratique du Congo. L'on retiendra pour l'essentiel le message interpellateur du pape François adressé à toutes les catégories sociales qu'il a rencontrées, lequel s'est cristallisé autour des valeurs de l'humanité, du pardon, de la justice et de la réconciliation, base d'un renouveau spirituel pour un Congo réunifié. La presse nationale et internationale était également mobilisée hier à l'aéroport international de Djili pour couvrir le départ du pape. Et durant ce séjour du souverain pontife, les professionnels de médias en général et la radio-télévision nationale congolaise ont accompli un travail mémorable qui a permis au monde entier de suivre en temps réel la retransmission de l'événement pendant 4 jours. Bandinzo. Depuis l'arrivée du prince de l'Église catholique à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 31 janvier dernier, la presse tant nationale qu'internationale a été mobilisée. Ce vendredi encore, jour du départ du souverain pontife, les journalistes, déjà à l'œuvre, s'apprêtent à immortaliser l'événement. Chacun dans son secteur s'emploie à mettre le dernier réglage sur son matériel pendant que d'autres s'active à envoyer le décor déjà planté devant l'aéronef qui, dans quelques instants, va transporter le Saint-Père à Djouba, au Soudan du Sud. Mais au-delà du cérémonial, cette frange des professionnels des médias sélectionnés pour la circonstance parle d'un événement historique qui va sans nul doute immortaliser toute une carrière. Si pour aussi écrire l'histoire, cette nouvelle histoire du Congo, je crois que c'est une page importante de l'histoire de notre pays qui vient d'être écrite par la presse congolaise ainsi que celle du Vatican. Ça ne vient pas tous les jours, hein, la visite du pape François d'une si grande autorité en RDC. Ben, seulement d'abord du côté presse, j'ai beaucoup apprécié parce que cette fois-ci on était tellement disciplinés. Il y a des activités qu'on couvre deux fois, je vois comment la presse se comporte. Ben, pour l'arrivée du pape, tout le monde était en ordre, donc on suivait les ordres, on était en ligne. Et quelques instants plus tôt, l'homme du nouveau narratif, déjà sur le lieu, ne s'empêche pas d'entretenir ses dépendants pour une bonne synchronisation. Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, veut en avoir le cœur net sur l'attitude à adopter afin d'assurer une bonne couverture de la toute dernière étape du voyage apostolique du pape en RDC.
Une journée longue et chargée pour la grande équipe de la Radio-Télévision nationale congolaise qui a récidivé en assurant la retransmission en direct avec un professionnalisme sans pareil de toutes les étapes de cet événement mémorable. Je dois dire que c'est un luxe et je suis très honoré d'en faire partie de cette équipe. Et ça me fait énormément de bien, que ce soit pour mon CV ou pour autre chose, pour le Congo et la RDC. Mais pour moi, c'est vraiment un luxe d'en faire partie et je suis très fier de faire partie de cette équipe. Des moments inoubliables qui marqueront à jamais la carrière de ces professionnels de la plume et du micro, accrédités pour la circonstance, même si la tâche n'a pas été facile à certaines étapes de l'événement. Le stade, on a l'habitude d'y aller pour des activités sportives, mais là, c'était le pape qui arrivait et il y avait la pression de la jeunesse. Mais aussi beaucoup d'intermittence, c'est-à-dire que beaucoup d'improvisation avec le jeune qui s'est jeté sur le stade, parfois pour faire le pape ou pour faire le cardinal. Mais aussi le bruit d'ambiance au niveau du pourtour. Il faudrait avoir une voix qui porte pour dominer exactement le bruit. C'est vrai, on fait le direct dans des milieux foraines, mais celui-là, c'était un peu difficile de pouvoir dominer le bruit. L'aérodrome de Ndolo, parce qu'il y avait la population, il y avait différentes couches politiques, il y avait différentes religions. S'il faut prendre un angle, il faut bien choisir pour qu'il y ait l'information, pour donner aussi du goût aux gens qui nous sont à la maison. Il ne fallait pas les traiter comme on les traite tout le jour. Il fallait au moins avoir un angle qui semble normal pour tout le monde. Un honneur, mais aussi un couronnement pour ces femmes et hommes des médias qui ont choisi de servir le pays à travers ce noble métier d'informer. Et sur le plan sécuritaire, le séjour du pape s'est déroulé dans le calme, pas d'incident majeur. Le commissaire provincial ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, se félicite du service accompli par la police nationale congolaise. Dispositif sécuritaire exceptionnel pour une personnalité planétaire. Le souverain pontife à Kinshasa. La police de la ville de Kinshasa a correctement fait son job, reconnaît le commissaire divisionnaire adjoint de la police, patron de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Nous avons eu la visite du pape 31 janvier au 3 février. La police est au four à moulin. Nous sommes satisfaits du travail de la police. Ça n'était pas une chose facile. Avec la convention de la population, nous avons fait un travail formidable. Vous savez, le pape est arrivé le 31, il fallait l'accueillir, il fallait le sécuriser. Tout le long de son parcours, il n'y avait aucun... Le même jour, il y avait la veillée à Ndolo. Vous savez, il y a eu des menaces par-ci par-là. Il y a des oiseaux de mauvaise augure qui préconisaient des choses macabres. Heureusement que Dieu était de notre côté. Nous avons pris disposition, la fille encadrait les mamans... les papas et les autres qui ont passé la nuit à la porte de Nolo, ça c'était le 31. Le premier, c'était la grande messe, estime plus d'un millier de personnes. À la porte de Nolo, il y avait 30 hommes et 28 ici. Ça nous a beaucoup aidé. Il fallait fouiller toutes ces personnes-là, et les personnalités qui étaient là. On a travaillé d'arrache-pied et ça s'est passé sans aucun incident. Les enfants qui étaient perdus étaient retrouvés et mis entre les mains de la famille respective. Il y avait des biens qui étaient perdus aussi, qui étaient récupérés et mis au propriétaire. Ça s'est très bien passé. Mais alors, quelle a été la recette? Il y a eu beaucoup de réunions qui se sont au niveau du gouvernement avec les premiers ministres. J'ai une chance, monsieur le premier ministre. Beaucoup de réunions. Il y a eu des réunions au niveau du commissariat général, avec les commissariats, des instructions. Il y a eu des directives opérationnelles. Et nous avons fait maintenant un ordre opérationnel. On avait l'appui de la 14e région. Mais il y avait aussi une convention étroite avec le cadre républicain. Vous savez que le pape a double casquette. Il est chef religieux et en même temps, il est chef d'État. Alors, il fallait travailler avec le cadre républicain. C'est ce qui a réussi. Et puis, les moyens aussi, que le commandant suprême a mis la justice de la police, qui a aidé à motiver les policiers et à travailler avec professionnalisme. Plus d'un million de personnes sur les sites d'Ndolo pour assister à la messe papale, plus de 65 000 au stade des martyrs, aucun cas malheureux. Du moins, pas de morts, moins encore des blessés. Un tableau plus que satisfaisant d'un travail des pros.
Autre chose à présent, 83 otages libérés entre les mains des ADF, 24 miliciens neutralisés et 14 autres capturés. C'est le bilan des opérations des FARDC menées durant le mois de janvier sur l'axe Commanda Luna et Commanda Mambasa. Autre précision avec Junior Selemani et Jules Ngongo. FARDC en Ituri sont résolument engagé et décidé de traquer le terroriste ADF et imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kachoma Djouni, sa philosophie du commandement aux unités engagées au front sont de plus en plus plausibles sur l'axe routier. Commandant Lou et commandant Mambasa, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri, dresse le bilan des opérations menées contre les ADF, MTM et leurs supplétifs dans la période allant de décembre à janvier. Six de ces opérations, les forces armées ont libéré 83 personnes qui étaient sous l'emprise des ADF. Les forces armées ont neutralisé 28 éléments des ADF MTM. De l'autre côté, 14 ADEF et leurs collaborateurs ont été capturés sur le champ de bataille. Donc une grande satisfaction par la population locale qui recommence à regagner leur village. Pour nous, l'effet final recherché par le gouverneur militaire, lieutenant général Luboyan Kachoma Djouni, qui est en même temps le commandant des opérations, l'effet final recherché ici, c'était que la restauration de l'autorité de l'État et que la population vague librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire, nous appelons la population à faire confiance à son armée, à aiguiser la collaboration et le patriotisme pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix qui sont avec nous et qui utilisent nos fils et filles pour faire du mal à notre population. Dans la même veine, les forces armées ont permis aux habitants de Djalasiga, en chefferie de Zalourdjouganda, en territoire de Mahagi, de regagner leur milieu d'origine. Par ailleurs, le porte-parole de FARDC en Ituri, au nom du gouvernement militaire, appelle la population de se désolidariser des ennemis de la paix et de faire confiance aux forces régulières en vue de mettre hors d'état de nuire les groupes armés locaux et étrangers dont l'objectif est de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population. Il vous arrive deux fois d'être dérangé pendant votre sommeil ou dans vos heures de travail ou autre repos par la nuisance sonore. Pourtant, il existe des dispositions légales en la matière. Patti Tondongo, Bobeteinga. Du boucan en pleine journée ou de la musique tonitruante en soirée et pendant la nuit, la maison sonore vécue quotidien des Kinois est un fléau à combattre. Les bars souvent à ciel ouvert ou certaines églises dites des réveils sont pointées du doigt. Les auteurs de cette pollution sonore se comportent comme si leurs voisins n'existaient pas. Le respect de l'autre n'est pas du tout effectif. Pourquoi ? Puisque ceux qui mettent de la musique, que ce soit la nuit, et cette musique qui des fois empêche son voisin de dormir, il peut être quelqu'un d'hyper tendu ou bien quelqu'un qui a besoin d'un repos venant peut-être d'une maladie qui nécessite vraiment des heures de repos. Donc nous pensons que le respect de l'autre devait constituer la première préoccupation de tous ceux qui ont ce genre d'activité. Les tenanciers de ces débits de boissons et églises pointent leur baffle à musique tonitruante à côté des résidences, centres de santé. Existe-t-elle des dispositions légales qui réglementent le fonctionnement des églises à Kinshasa? Tengi Telito, ministre provincial de l'Intérieur, répond. Pour ce qui est des nuisances sonores, il y a plusieurs textes. Vous avez l'édite 005 du 9 octobre 2012 qui justement porte réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. Vous avez aussi le décret du 8 mai 2014 qui donne en fait des directives par rapport à l'utilisation de la musique sous les lieux publics.
Ils disent que cette musique, pendant les jours de la semaine, peut aller jusqu'au maximum minuit. Le week-end pendant la semaine, c'est jusqu'à 21h. Il incombe à qui poser ces actes-là? Vous savez, c'est le bourgmestre. Vous avez, ça commence d'abord par le chef de quartier qui décèle l'endroit où ont été produits notamment ces nuisances. C'est le rôle du chef de quartier. Le chef de quartier, il est censé d'appliquer la politique environnementale et sanitaire du bourgmestre qu'il définit. C'est la même chose pour le bourgmestre qui applique la politique qui émane en fait du gouvernement provincial. Toutefois, il est prévu des sanctions en termes d'amende, voire des peines d'emprisonnement pour le non-respect des dispositions légales. Lorsque des personnes causent des nuisances, les amendes vont jusqu'à 200 000 francs congolais. À partir du moment où la personne est récidiviste, c'est-à-dire que c'est la deuxième fois qu'elle pose ce genre de problème, les amendes vont jusqu'à 1 million de francs congolais. Et les lieux qui ont causé les nuisances sont fermés, les biens qui ont causé justement ces nuisances sont saisis, et évidemment, la personne qui a causé ces nuisances peut faire l'objet de 14 jours de servitude pénale, donc c'est-à-dire de détention préventive. Les dispositions existaient certes, mais il est important pour la population victime de toutes ces nuisances sonores de prendre conscience qu'elle a le droit de porter plainte en bonne et due forme devant les autorités compétentes. Et puis ce communiqué, avant de terminer le journal, la Commission nationale de droits de l'homme informe tous ses membres nouvellement investis par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2023. Son secrétaire technique national de l'Institut d'appui à la démocratie, la presse nationale et internationale, ainsi que le public en général, la convocation de la séance d'ouverture de l'Assemblée plénière de la deuxième mandature, et ce, conformément aux dispositions pertinentes des articles 10 et 21 de la loi organique numéro 13-011 du 21 mars 2013 portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. La convocation est prévue pour le lundi 6 février 2023 à 11h précise, et ça sera au siège du secrétariat technique national à Kinshasa, boulevard du 30 juin, référence Batetela. C'est un communiqué signé Paul Sampoumoukoulou, le doyen d'âge. Et c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Papingi Damao et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Émile Zola, Jonathan Moubalama, Alain Galia et Ruba Kumbu. Retrouvez à 13h30 Eric Kabamba Kongolo pour le prochain journal. Excellente suite de programme sur la RTNC.